Nous, des fois, avec les cousins, on fait des soupes aux orties sur des cailloux là-bas. Et puis, on prend plein de sel. On arrache des orties avec des gants. Faut qu'on regarde si elles sont poisonnées. Puis, des fois, on va grimper sur des cailloux. Ouais. Voilà, ici on se trouve un parrain sur la commune de Châteaudet à 1666 mètres d'altitude. Derrière nous, on a le canton de Fribourg, la chaîne des Vanilles ici, et puis en face de nous, les Alpes Bernoises. Et puis ici, on vient préparer parce que on est à la fin de mai et puis on va monter avec les vaches, avec le bétail demain, après-demain ou jeudi, mercredi ou jeudi. Je dois mettre des tapis, pour les vaches, parce que sinon elles s'éclaffent les crayons. On installe un abri là pour l'été, pour installer du bois et puis quelques matériels. On est obligé de le démonter durant l'hiver à cause du poids de la neige, sinon ça viendrait en bas. Alors on le démonte et on le remonte le printemps pour pouvoir stocker notre bois ou le matériel qu'on a besoin. Henri Daniel Reynaud. Je suis né en 1957, j'ai 65 ans cette année. Et ma vie d'alpagiste, elle existe depuis mon enfance, parce que j'ai été au chalet avec mes grands-parents, déjà paternels, mais mon grand-père maternel avait aussi un alpage tout près. Ils avaient deux alpages en dessous de Châteaudet, juste en face d'où on est, là, de l'autre côté de la vallée. Et on a été dans ces alpages jusqu'à... J'ai été jusqu'à 14 ans. On s'est marié, nous, avec ma femme, Emeille, en 1983. On a eu 5 filles et un garçon. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 4. Mais notre fils, eh ben, il s'est marié il y a déjà 8 ans, je crois. Ouais. En 2014. Et puis, il a fait son apprentissage, lui, à 16 ans, il est parti de la maison, il a fait son apprentissage agricole, après il a fait son brevet, et puis depuis 5-6 ans, ben, il a tout le temps travaillé avec nous, et puis cette année, ben, c'est lui le patron. On va en donner encore un. J'en ai deux. Il faut le jeter sur le tas. Ouais. Une pierre de partout. Mais là-dessus, il n'y a pas de vipères là-dessus. Là-dessus, il y a des vipères. Là, on est en train de séparer le haut et le bas. Le bas, il a poussé maintenant. On va le manger. De 3 semaines, on les enlève, on va les mettre dans la partie du haut. La partie du haut, elle a poussé moins vite à cause de la neige qui est restée. Et la partie du haut va pousser qu'une fois. Tandis qu'en bas, on va les remettre cet automne et remanger pendant 3 semaines.
Mon papa, il a exploité jusqu'à l'année 1995-96, je crois. Et puis après, j'ai fait pendant 25 ans avec ma femme. Mais chaque année, quand les enfants étaient petits, on prenait un employé l'été. Alors souvent, c'était vraiment... on y allait à fond. Et beaucoup de travail, mais on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Nos enfants aussi ont eu beaucoup de plaisir. C'est pour ça que maintenant, ben, la jeune génération reprend, parce qu'ils ont certainement eu du plaisir avec nous. Parce que s'ils n'avaient pas eu du plaisir, eh ben, je ne pense pas qu'ils feraient ce travail. Parce que c'est un travail, c'est un magnifique travail. Mais il y a quand même beaucoup de travail. Hein. C'est, quand vous montez au chalet, ben, vous savez que vous y êtes du premier jour au dernier jour. Hein. Alors actuellement on a une cinquantaine de vaches laitières en trait. On a aussi des cochons, 50 cochons qui boivent le petit lait qu'on a après la fabrication du fromage. Je suis en train de donner à boire aux veaux là. On leur donne du lait, ils ont 3 litres chacun là. Et puis on en a encore en bas, il y a que ces 3 au chalet, les autres qui sont restés en bas. Alors actuellement on est en train de faire la traite, on est venu à la fin de la journée, on les rentre dans l'étable, on les traite toutes. Une fois que l'étape est finie, on peut les ressortir et elles pâturent 2 fois par jour. Donc la journée et la nuit, elles sont rentrées 2 fois dans l'étable pour les traire. Alors là, on a la traite des vaches. Donc avant la traite, on passe une pâte humide pour nettoyer la terre. Ensuite, on branche les machines à terre. Ça a un système de traite direct. On met les vaches à terre, elle le lait part directement dans les conduites et il va directement dans la chaudière.
Et notre vie d'alpagiste, ben, ça consiste ben de soigner déjà notre troupeau, d'avoir un bon troupeau, hein, d'avoir du plaisir avec notre bétail, hein, et puis d'avoir des bonnes vaches qui ont des bonnes pattes pour qu'elles puissent bien marcher dans ces endroits très rocailleux. Et puis après, il y a la fabrication du fromage. Ça, c'est aussi moi, ça a été ma passion. J'ai beaucoup aimé faire le fromage. Et je me souviens de mes grands-parents, ils n'avaient aucune machine. Ils traillaient moi, j'ai trait à la main jusqu'à 19 ans. On faisait tout à la main, hein. C'était brassage à la main. Faucher, on a eu fauché aussi à la faux. C'était dans nos toutes jeunes années. Et puis après, il y a eu beaucoup d'évolution dans la modernisation depuis les années 70. Ça a été vraiment incroyable. Hein. Je veux dire, au début, quand on venait ici, on sortait le fumier avec le cheval. On n'avait même pas de génératrice la première année. Mais on s'est équipé de génératrice, après une machine à traire. En bas, pour les foins, ben maintenant, on est vraiment très, très bien équipé. On a des bâtiments, des beaux bâtiments. On peut sécher un grain. On se souvient, quand on était petit, ben, on n'était pas la même chose équipé. Puis c'était plus difficile avec la météo parce qu'il fallait déjà sécher le foin sur 2-3 jours. Tandis que maintenant, ben, en un jour, s'il ne fait pas longtemps beau avec les séchoirs, eh ben, on peut récolter déjà. On a plus de facilité. Le travail, il reste beaucoup de travail, on est beaucoup moins de monde. Je me souviens quand on venait ici, nous, jeunes, eh bien, il y avait mon papa, mon oncle. On était avec mes cousins, on était 5-6. De la veille et qu'on a gardé à une certaine température pour développer la flore bactérienne qu'on va amener maintenant au nouveau fromage. Je vais tester leur acidité pour après que je puisse faire un mélange qui soit tous les jours à la même acidité. Alors là, j'ai un petit lait à 22, un petit lait à 34. Du coup, si je fais moitié-moitié, ça me fait une acidité à 28. Et puis, c'est parfait. On aimerait de l'acidité entre 28 et 29. Donc maintenant, ça va rester là jusqu'à que Aimé mette en cadre. Donc ça, c'est notre cahier de fabrication dans lequel on note chaque jour beaucoup de choses pour la traçabilité du produit. Donc aujourd'hui, 31 mai, on va faire 4 fromages qui seront numérotés 77, 78, 79 et 80. Hier, on a filtré et refroidi. Ce matin, le lait, je l'ai testé, il était à 14,7. Et puis les petits laits que je viens de tester, ils étaient à 22 et 34. J'ai fait un mélange à 28. Et puis il restera le nombre de litres de lait qu'on a, qu'on regardera quand on a fini. Combien on met de petits laits, de présure, à quelle température, combien de temps ça met pour cailler, combien de temps le décaillage, et ensuite c'est par rapport à comment on chauffe, combien de temps. Comme ça, chaque produit est numéroté et on peut retracer.
Donc je mets la pression dans le lait, je regarde l'heure et je sais que 40 minutes après, mon lait sera caillé. On va couvrir le lait pour que la température descende le moins possible. Garder le plus chaud possible. Alors là, le lait s'est mis à cailler. Donc on voit que ça devient comme un gros yaourt. Et puis là, je vais attendre le bon moment pour le prendre. Donc plus j'attends, plus il va durcir. Et puis il faut essayer d'être régulier à cette étape pour prendre chaque fois à la même, au même moment. Alors comme là, je regarde avec ma poche. Là, je le trouve encore un peu tendre. Alors je vais attendre encore une minute. Le cahier a la bonne dureté là, du coup je vais commencer à le couper. Et on va le couper jusqu'à qu'il fasse la taille d'un grain, entre un grain de blé et un grain de maïs. On doit le faire individuellement, c'est un fromage fermier. Chacun le fait individuellement, je ne peux pas acheter du lait à mon voisin. Il est fait sur chaudière en cuivre et sur feu de bois. Ça, c'est les principaux critères. Il y a encore d'autres critères. Il doit être affiné à la coopérative. Et la coopérative, on a une septantaine de familles qui font ce fromage tous les étés. Depuis la coopérative, elle a plus de 80 ans. Elle a été fondée en 1932. Là, ça devient pas mal. Je vais encore faire peut-être 10 tours pour enlever les quelques gros qui restent. On va chauffer une heure de temps. Alors avec ça, on sait la température qui doit être au bout de tant de minutes. On va mettre 10 minutes avant le feu. Et puis après, on commence à... il est à 31 degrés. Au bout de quart d'heure, il sera à 37. Demi-heure, 42. Trois quarts d'heure, 50. Et puis à 57, à une heure. Alors là, on prend les fromages de la veille, on les démoule, on enlève les toiles, on coupe les bords pour que ce soit propre et franc. Et après, on les amène à la cave à fromage où ils sont salés. Et on les sale le matin et soir jusqu'à qu'on les amène à l'étiva. Alors là, je suis en train de saler les fromages de ce matin qu'on a sorti de la presse et ceux du jour d'avant. On les sale matin et soir jusqu'à que on les mène au cave d'Etiva. Nous on est organisé, on les mène tous les 3 jours au cave d'Etiva. On a le droit d'aller maximum tous les 7 jours. On peut les garder 7 jours maximum sur l'entrage avant qu'ils doivent aller au cave. Il est à 42, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Moins. Est-ce que le fromage est plus ou moins? Moins. Plus. 42, c'est plus que 40. Donc, vu qu'il est plus chaud, est-ce qu'on rajoute du bois ou non? Non.
Alors on descend, Aleti va amener les fromages et après on va passer sur l'exploitation de base où on a nos vaches du renivers. C'est là qu'on fait tous les, aussi une grosse partie des travaux l'été. C'est toute la récolte du fourrage sec pour donner l'hiver. Parce que les vaches, on fait du fromage seulement l'été mais on les a toute l'année. Et du coup l'hiver, ben, on les a fourrage et on les trait quand même. Alors Aleti va. Un fromage d'alpage qui est fait dans les Alpes vaudoises. C'est le premier fromage qui a obtenu l'AOP en l'an 2000. Et les principaux critères, on doit être sur l'alpage. On ne peut pas le faire avant le 10 mai et pas le faire après le 10 octobre. Et on doit être monté sur l'alpage. Donc là, vous êtes dans le local des Bensel. C'est ici que les fromages, après leur fabrication, descendent à la cave où ils passent dans le bac de saumurage. C'est pour la conservation du fromage parce qu'il faut savoir qu'une partie de l'eau sera échangée avec du sel. C'est pour ça qu'on les met dedans en 24 heures. Après cette étape, ils passent en cave d'affinage où ils suivront divers soins durant toute leur période ici à la cave. Alors ça, c'est les fromages qui ont été faits la saison passée. Celui-là, c'est le 417e de la saison. Donc c'est un fromage qui a été fait au mois d'août l'année passée. Notre fromage, il est... on le mène tous les deux jours, on le mène à la coopérative. On reste propriétaire du fromage jusqu'au mois de novembre, mais au mois de novembre, on est convoqué, chaque producteur individuellement. Et puis c'est le directeur qui va acheter les fromages, c'est lui qui va les taper, les sonder pour savoir de quelle qualité c'est. Et puis on a trois qualités, il y a le premier choix A, le premier choix B, le premier choix C. Le premier choix A, c'est celui qui est top, le premier choix B, c'est peut-être un des légers petits défauts, le C, un petit peu en dessous, et puis après il y a du deuxième et troisième choix. Et dans le commerce du fromage, eh bien, il se vend, sous le nom d'Etiva, il se vend que le premier choix A et B. Ben comme hier et aujourd'hui, on est venu préparer ici, on est venu faire des clôtures pour parquer les vaches, on est venu nettoyer le chalet, que tout soit beau propre, parce que demain on va monter avec les vaches ici pour le 1er juin, ce sera le 1er juin. On va monter au 1er juin là, ben demain matin on va faire le même travail en bas, traire les vaches, faire le fromage, et puis après on va monter les vaches, et puis tout transporter le matériel de fabrication ici à l'alpage. Alors c'est des grosses journées parce que il faut qu'on soit prêt pour traire ici. Les installations fixes, elles sont ici, mais il y a tout le petit matériel qu'il faut transporter. Alors on espère qu'on aura une belle journée demain.
Alors mes petits-enfants, ils vont faire comme mes enfants ont fait. Ils vont venir à l'alpage avec leurs parents, puis ce sera à eux à décider, quand ils auront l'âge de prendre à l'adolescence, de savoir quel métier ils veulent faire. Hein. Alors l'évolution, c'est vrai qu'il y a une évolution incroyable depuis que j'étais tout petit, hein, parce que ben, tout se faisait encore, presque tout à la main, hein, aussi bien en bas pour faire les foins que dans les alpages. Aujourd'hui, on est équipé. Pour ma part, il n'y aura pas énormément de changements dans les 10 prochaines années, parce que maintenant, les alpages, on est équipé en outils, et je ne vois pas l'évolution comme là, comme les robots de traite. Eh ben, ça ne va jamais se mettre dans les alpages, parce que, en tout cas pour ceux qui font du laitiva, parce que c'est, on veut encore rester authentique.